الحريات ماشي المغرب التعليمات ماشي المغرب التعليمات ماشي المغرب التعليمات ماشي المغرب التعليمات À l'occasion internationale de la journée de la liberté de la presse, nous exigeons que nos journalistes prisonniers soient libérés. C'est trop. Omar, il a passé presque 3 ans, bientôt 3 ans, en prison dans un procès inique, dans un procès où il n'y avait aucune preuve pour qu'il soit condamné. Aucune. Mais il a été condamné comme ça, abusivement, parce qu'il voulait, il cherchait qu'il se taise. Qu'il se taise et qu'il ne mette pas en évidence la corruption des hommes de l'État. Omar Souleymane, Bouachirine, ce sont des journalistes, de vrais journalistes. Rien ne peut les remplacer au Maroc. Nous voulons qu'ils soient libres. C'est trop. C'est trop parce que ça porte atteinte à l'image de l'État. Ça porte atteinte à nos valeurs de liberté parce qu'on a réalisé quelque chose quand même. Nous ne voulons pas perdre cette période où le journaliste était vraiment un personnage obligatoire et important dans la liberté de la presse au Maroc. Maintenant, il n'y a plus de liberté. Est-ce qu'on peut vivre sans liberté? Est-ce qu'on peut vivre sans parler, sans critiquer, sans rien dire? Non, je ne crois pas. Le Maroc a besoin de ses journalistes. Et toute la société a besoin de ses journalistes. Il faut qu'ils soient libérés. Il faut qu'ils soient libérés, sinon, ça, le Maroc ne sera plus le Maroc qu'on connaît. Le Maroc, c'est un Maroc de liberté, de partis politiques, de société civile, de syndicats. On ne peut pas vivre avec une approche sécuritaire, tout simplement. L'approche politique, c'est la seule solution pour que le Maroc soit loin des critiques des organisations internationales des droits humains. Non, Walida! Walid! Sina, no! 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 Ana Munadin! Mashi Muslim! Ana Munadin! Mashi Muslim! Ana Munadin! Mashi Muslim!